Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Aujourd'hui nous retrouvons AS Calform en salle pour une vidéo consacrée à la méthode numéro 2 concernant la détermination de votre 1RM, cette fameuse répétition maximale. Aujourd'hui nous allons voir le test de force sous maximale. Dans un premier temps, nous allons voir à qui s'adresse, qui peut appliquer cette technique. Eh bien, tout le monde, les amis, tous les niveaux de pratiquants pourront utiliser cette méthode. Les débutants, bien sûr, les débutants qui pourront non seulement utiliser cette méthode pour tester leur 1RM sur l'exercice mono-articulaire, mais aussi polyarticulaire. Rappelez-vous, la méthode numéro 1, celle du test de force maximale, elle n'était pas très recommandée pour le débutant, car il risquerait, de par son faible niveau d'expérience, d'encourir des risques au niveau musculo-tendineux et au niveau articulaire. Avec cette méthode, le débutant pourra non seulement tester sa RM sur l'exercice polyarticulaire, mais mono-articulaire, sans aucun risque par rapport à son intégrité physique. Les intermédiaires, les avancés, utiliseront aussi cette technique pour les exercices mono-articulaires. Rappelez-vous, la méthode numéro 1, était vraiment destiné au calcul de 1RM sur tout l'exercice polyarticulaire. Donc là, avec cette méthode, les avancés et les intermédiaires, enfin les intermédiaires et les avancés pourront calculer leur RM sur l'exercice intermédiaire. Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez être intermédiaire et avancé et ne pas vouloir faire de test de force maximale. Donc, comme un débutant, estimez votre 1RM avec cette méthode. Donc voilà, la mise en place, le protocole de ce test de force sous maximale. Dans un premier temps, les amis, vous allez devoir déterminer sur combien de répétitions. Excusez-moi, j'ai un petit peu chaud, je viens de finir de m'entraîner. Dans un premier temps, je disais, vous allez devoir définir le nombre de répétitions sur lequel vous allez effectuer ce test. Personnellement, je vous conseille 8 ou 10 répétitions. Donc vous l'aurez bien compris, ce qui est beaucoup plus simple d'ailleurs pour le débutant, vous devrez avoir une estimation de votre 8RM ou de votre 10RM. Donc c'est la première des choses à avoir, soit 8 répétitions, soit 10 répétitions max. Deuxième des choses, donc j'arrive en salle, je vais prendre un cas de figure, c'est beaucoup plus simple pour illustrer cette technique. Donc j'arrive en salle, je veux tester mon 10RM, 10 répétitions max sur des écartés couchés, qui je le rappelle, c'est un exercice mono-articulaire pour les pectoraux. Donc j'arrive en salle, première des choses, je m'échauffe, 5 minutes de cardio, basse intensité. J'estime que mon 10RM aux écartés, je prends un chiffre fictif, est de 20 kg, d'accord? Donc, première des choses, une fois que j'ai fini ces 5 minutes de cardio au préalable, je m'installe, je vais m'échauffer, toujours bien s'échauffer les amis. Donc, je vais effectuer dans un premier temps une série de 15 répétitions à environ 25% de ces fameux 20 kg, c'est-à-dire de la charge avec laquelle je vais effectuer mon test. Je vais effectuer cet échauffement, donc 15 répétitions. Je prendrai 1 minute 30 de repos. À l'issue de quoi, j'irai effectuer une deuxième série d'échauffements de 10 répétitions à peu près 50% de mes 20 kg. Je prendrai, pareil, 1 minute 30 de repos. Et enfin, je réeffectuerai une série d'échauffements, 5 répétitions à 75% de ces fameux 20 kg. À l'issue de quoi, mes muscles seront bien chauffés. Je prendrai 1 minute 30, 2 minutes de repos. Et là, on va commencer à effectuer son test. Donc, je vais prendre mes 20 kg, je vais effectuer mes 10 répétitions. Plusieurs cas de figure, vous l'aurez compris, vont s'offrir à vous. Enfin, en l'occurrence, vont s'offrir à moi. Premier cas de figure, la Bérésina, le top. J'atteins mes 10 répétitions max. Je ne pouvais pas en faire une de plus, mais j'ai fait mes 10 reps. Well done, j'ai trouvé ma 10RM. On s'arrête là, le job est fait. On a notre donnée. Ça, c'est le meilleur cas de figure. Deuxième cas de figure, je ne réussis pas à faire ces 10RM. D'accord? Donc, je vais prendre 1 minute 30, 2 minutes. D'accord? Je vous conseille plutôt 2 minutes. Et je vais retirer 5% du poids. D'accord? À l'issue de quoi, je réeffectuerai mes tests. Et si jamais, avec cette réduction de poids, je le fais aisément, dans ces cas-là, je rajouterai non pas 5%, mais 2,5%, d'accord. Dernier cas de figure, je réussis aisément. Easy pour moi. Donc dans ces cas-là, je vais rajouter 5%. Je réeffectuerai un test. Si je réussis encore aisément, 5%. Si à un moment j'atteins si j'échoue, et même cas de figure, même procédé, je réduirai la charge de 5% ou de 2,5% jusqu'à ce que je réussisse à trouver cette fameuse 10RM.
Donc voilà, encore une fois les amis, hein, je ne vous conseille pas plus de 3-4 tests. Hein. Pas plus de 3-4 tests hein, pour ce test de force sous maximale, vous l'aurez bien compris, hein, si on en fait trop, la fatigue musculaire va s'instaurer, ce qui fait qu'il n'y aura plus de... les essais ne seront plus aussi probants. D'accord ? Avec l'accumulation de fatigue, ça ne sera plus aussi probant. Donc 3-4 tests. 4 tests, c'est très bien. Vous allez me dire, ouais Menzo, j'ai mon 10 RM, j'ai mon 8 RM, ça nous fait une belle jambe, mais comment trouver ma 1 RM ? Donc voilà, que faire avec cette donnée ? Soit ce 8 RM, soit ce 10 RM, selon le choix que vous aurez fait. Eh bien les amis, on va utiliser ce qu'on appelle la table de Berger simplifiée. Donc la table de Berger, c'est une table de correspondance. C'est une table de correspondance. Pourquoi simplifier ? Bah, tout simplement parce qu'on avait des nombres à virgule, on a retiré la virgule et on a arrondi, d'accord ? Pour plus de pragmatisme au niveau des calculs. Donc la table de Berger, grosso modo, c'est une table de correspondance qui nous dit que, grâce à cette table, hein, d'ailleurs cette table est indiquée, vous l'avez en description de la vidéo, ainsi que tout le protocole hein, de ce fameux test de force sous maximale, hein, tout est dans la description de la vidéo. Donc cette table de Berger nous dit grosso modo qu'à 10 RM, c'est-à-dire à 10 répétitions max, la charge que vous avez utilisée correspond à peu près à 74% de votre 1 RM. 8 reps max correspond à peu près à 78% de votre 1 RM, c'est une estimation théorique, et vous l'aurez bien compris. Si vous savez par exemple que 20 kg aux écartés couchés correspond à 75-74% de votre 1 RM, vous pouvez avec un simple produit en croix trouver votre 1 RM théorique aux écartés couchés. Donc grosso modo, je prends la charge, la formule sera en description aussi de la vidéo, hein. Calcul très simple, je prends ma charge, je multiplie par 100, je divise par le pourcentage de ma 1 RM, hein, en l'occurrence ça fera 20 fois 100 divisé par 74 et je trouverai ma 1 RM. Pour ceux qui sont vraiment allergiques au calcul, qui sont allergiques aux chiffres, je vais vous mettre un petit calculateur, un logiciel très simple, hein, un petit peu lazy, hein, pour monsieur, ouais c'est pas mal, c'est pas mal. Vous mettez, grosso modo, vous mettez le résultat de votre 10 RM et ça va vous calculer, vous n'aurez absolument rien à faire à part appuyer sur un petit bouton, ça va vous calculer, ça va vous donner tout votre RM et toutes les correspondances par rapport à votre objectif de travail. Donc voilà les amis. Ce dossier sur la détermination des 1 RM, ces deux méthodes, est terminé. J'espère que ça vous a plu. On n'en parle pas assez souvent à mon goût, hein. On n'en a pas assez parlé sur YouTube, alors que c'est une démarche. Je vous encourage fortement à faire cette démarche, d'accord ? Ça va vous donner... faut vraiment vous déterminer avec rigueur vos charges de travail. Ça va vous éviter de travailler avec des poids, mettre des charges en fonction du sens du vent, de manière un petit peu aléatoire, en tâtonnant. Tâtonner, c'est bien, hein, c'est bien. Hein, c'est de manière empirique, c'est bien de trouver ces charges. Mais quelque part, hein, à un moment, vous allez, avec du recul, vous allez vous apercevoir qu'à un moment, vous vous êtes sous-entraîné, à un autre, vous vous êtes surestimé. Donc vous avez peut-être atteint un plateau à un moment où vous n'auriez pas dû, d'accord ? Et d'un autre côté, vous vous êtes sous-entraîné à d'autres moments. Donc, je vous encourage à faire ces tests. Hein. Car rappelez-vous, hein, pour progresser en musculation, la rigueur est de mise. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Plusieurs news, hein, la semaine prochaine, samedi 11 juillet, à 15 h, je serai à la boutique Univers Protéines à Bussy-Saint-Georges dans le 77, aux alentours de 3 h, pour une rencontre avec les fans de ma page Facebook Athlète et de la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, si vous avez un petit moment, venez pour me poser des questions, que ce soit sur l'entraînement, sur la diète ou sur les compléments. J'y répondrai avec plaisir ou tout simplement pour une poignée de main chaleureuse, voire une bonne accolade. Donc voilà, j'en profite aussi. Hein. N'hésitez pas à aller visiter la boutique en ligne de mon partenaire hein, Univers Protéines et bénéficier de ce code hein, qui s'affiche en bas à ce moment. Pour une réduction de 10%, hein, pour obtenir une réduction de 10% sur chacune de vos commandes. Donc voilà, bah écoutez les amis, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, bon calcul de 1 RM, et j'espère qu'on se verra un maximum le samedi 11 juillet. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, à la semaine prochaine les amis, bye bye, ciao.